Bonsoir Laura, vous avez gagné un prix ce soir. Quelles sont vos impressions ? Eh bien, je n'avais jamais remporté de prix comme celui-ci auparavant. D'ailleurs, c'est mon premier concours de beauté et je pense que ça me permettra de représenter au mieux culturellement la Guadeloupe, déjà. Et je pense que même en tant que femme, ça, c'est une belle chose pour n'importe quelle femme. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Alors, déjà le fait de se rendre ici, ça a été une difficulté, mais heureusement, nous avons Madame Flora qui est super tout au long de l'organisation. C'est elle qui m'a accompagnée. Et autre difficulté, le trac. Le trac, par exemple, lorsque je me suis exprimée devant le jury, devant le public, ça fait toujours... voilà quoi. On a beau s'entraîner, mais voilà. Quand il faut le dire, bon, après, ça sort toujours naturellement, donc c'est bien. Bien, merci. Merci à vous de m'avoir. Vous avez gagné un prix ce soir. Ici aux Abîmes, quelles sont vos premières impressions ? Je suis vraiment très fière de moi déjà et je suis extrêmement contente d'avoir participé à cette aventure qui m'a permis de gagner justement cette écharpe. Donc, voilà. Et alors, est-ce que vous avez eu le tract à un moment donné ? Quels sont les moments forts en émotion que vous avez ressentis ce soir ? Eh bien, pour moi, ça serait lorsque je suis passée pour la question. Du coup, puisque c'est une cause qui me tient énormément à cœur, et quand je vois que le public a applaudi, m'a encouragé, et je vois aussi que c'est une cause qui peut toucher un grand nombre, donc du coup, ça m'a un peu... voilà. Mais pour moi, c'était le passage le plus important. Rappelez-nous la cause. Du coup, ça serait la lutte contre le harcèlement scolaire et la santé mentale. Bien, merci. De rien, bonne soirée à vous. Quelles sont vos impressions ce soir, vous qui avez gagné un prix ? C'est la première fois que je participe à un concours de beauté. Assez stressée, mais ça va, ça a été. Alors, quels sont les moments forts en émotion que vous avez vécu ce soir ? Alors, les moments forts ont été la remise des écharpes et aussi le fait que j'ai pu exposer mon sujet, ce que je voulais défendre. Alors, vous vouliez défendre quoi ? Alors, comme je l'ai dit, j'ai été longtemps, pendant 10 ans, victime de violences conjugales. Et je souhaiterais que les femmes qui soient victimes de violences conjugales aient un suivi, parce qu'aujourd'hui elles sont laissées pour compte, et ainsi que leurs enfants qui sont témoins de scènes de violence. Bien, merci. Merci à vous. Au revoir. Ce soir, vous avez gagné un prix. Quel est votre premier ressenti ? Alors, j'ai eu, on va dire, un peu de stress, beaucoup, vraiment beaucoup de stress, par rapport au micro qui ne fonctionnait pas beaucoup bien, et c'est tout. Voilà. Alors, quels sont les moments forts que vous avez vécus pour votre élection ? Alors, ce moment m'a permis de vaincre ma timidité, tout simplement, et de pouvoir montrer de quoi je suis capable, de montrer ma force, et c'est tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous inscrire à ce concours ? Alors, tout d'abord, c'est ma mère qui m'a motivée, car c'est elle qui m'a inscrite à l'élection sans mon accord, mais quand même, c'est quelque chose de... très particulier car j'ai été troisième dauphine de mon lycée, Bembridge. Donc pour moi, c'était une simple élection, tout simplement. Bien, merci. De rien. Au revoir. Marine, vous avez gagné un prix ce soir. Quelles sont vos premières impressions ? Je suis quand même contente. J'espère que les filles aussi sont satisfaites de leur titre. Et je verrai la suite des événements. Alors, quel a été le moment le plus important et qui a été fort en émotion pour vous ? Quand on m'a mis la couronne. Mais sinon, lorsque j'ai eu mon discours, ça m'a rappelé certains événements de mon parcours. Enfin, quand je dis mon parcours, c'est personnel, hein, puisque l'endométriose, c'est quelque chose qui m'affecte physiquement, qui affecte aussi d'autres femmes. Et j'espère que ça pourra permettre à certaines de faire entendre leur voix, si on peut dire. Donc, j'espère que ça permettra à toutes les femmes de reprendre confiance en elles, de se dire que
c'est pas normal, on va dire, d'avoir certaines douleurs et qu'elles pourront mettre un mot sur cette douleur. Donc c'est la cause que vous défendez justement pour... Tout à fait. En premier lieu. Alors, au moment du couronnement, qu'est-ce que vous avez ressenti ? De la joie. De la joie, bien évidemment, de la joie. C'est quand même quelque chose. Je suis venue quand même pour pouvoir avoir... Vous avez pensé à quoi à ce moment-là ? Tous les événements qui ont fait que je suis arrivée là aujourd'hui. Mais vraiment, les essayages, tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce concours ? Honnêtement, parler devant le public, c'est assez compliqué. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez compliqué. Il y a tous les yeux braqués sur nous. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est sûr que c'est compliqué, mais sinon, je pense que ça va aller. Bien, merci. Alors, comment s'est passée cette soirée ? Mais cette soirée s'est quand même bien passée. On a pu faire le show et déterminer nos candidats qui partiront dans le monde avec nous pour cette année, pour cette édition, cette 21e édition. Alors, combien y a-t-il eu de candidats et quels sont les pays dans lesquels ces candidats vont partir ? Ben, nous avons quand même 12 destinations qui sont quand même bien, qui sont la Pologne, qui sont quand même l'Inde, qui sont quand même le Japon, qui est quand même les Philippines, qui est quand même la Jamaïque, Saint-Domingue et aussi, je crois, Venezuela. C'est une chance pour la Guadeloupe de participer à ce concours, puisque c'est une visibilité internationale. Mais bien sûr, tout à fait. C'est comme depuis 21 ans, c'est la vue de la Guadeloupe à l'international et qui fait connaître notre île et la promotion. Voilà. Vous êtes membre du jury et quel est justement le principal critère qui était important pour vous ? Mais tout d'abord, pour moi, c'était la façon qu'elle parlait, la façon de se présenter et puis aussi la façon qu'elle s'exprimait, parce qu'elle s'exprimait un peu plus clairement comparée aux autres. Donc, c'est ce qui nous a attiré plus vers son attention. Ce n'était pas que physique, donc ? Non, ce n'était pas que physique, hein, parce qu'il faut être jolie à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Et comment vous avez pu gérer pour les candidates qui sont un peu timides ? Ben, il faut avoir du courage. Donc, on était avec elles, on les applaudissait. Même si on sait qu'elles avaient le trac, ce n'est pas facile pour elles, mais nous comprenons. Alors, Monsieur Nandan, vous les accompagnez, bien sûr, pour cette élection internationale. Comment ça se passe dans les détails ? Bien sûr, ben, nous devons d'abord nous reposer, parce que c'était quand même fatigant, cette élection, et nous pensons les préparer, comme nous faisons depuis 21 ans, nous mettre en évidence pour avoir des résultats pour la Guadeloupe. Tout au moins leur donner la possibilité d'avoir une formation, un encadrement pour pouvoir partir et représenter la Guadeloupe à l'international. Vous savez, maintenant, ce n'est pas facile. Il faut se battre pour pouvoir avoir les billets d'avion, les licences pour les payer et bien entendu les partenaires pour les vêtements. Donc le trousseau de chaque Miss doit être fait. Est-ce que vous pensez que la Guadeloupe a ses chances dans ces concours ? Mais évidemment, c'est prouvé. Nous, comme j'ai dit, inviter le public de voir sur Wikipédia, ils verront tout simplement les résultats qui sont là, quoi. Nous avons des résultats qui sont quand même flagrants. La Guadeloupe a réussi à se placer quand on gagne l'élection comme Miss Monde dans plusieurs épreuves qualificatives, à plusieurs reprises. Voilà. Je ne vais pas énumérer les noms des candidates, mais quand même, en 21 ans, la Guadeloupe est quand même une visibilité. On a remporté des concours pour la Guadeloupe. Miss United Nation, Miss Millennium, Miss West Indies, etc. Bien, merci. Merci beaucoup. Et merci à TV.